tendance. Voilà, ton nouveau jardin est entièrement planté. Je pourrais grignoter autant que je le voudrais. Merci pour tout, Sophia, tu es la meilleure. C'est une belle façon de célébrer le festival d'abondance. Oui, c'est exactement ce que je dis. Bon alors, où sont-ils? Où sont quoi? Les fruits et les légumes, les miam-miam de Clovis. On a semé les graines depuis plus de 10 minutes. Clovis, les légumes ne poussent pas en 10 minutes, il faut plusieurs semaines. Oh, voici la couronne de la floraison. Oh, la couronne de la floraison. Qu'est-ce que c'est? C'est en l'honneur de cette couronne que le festival d'abondance a lieu chaque année. La princesse d'abondance, qui est toujours Ambre, la porte pour l'ouverture de la cérémonie. C'est un grand privilège parce que la couronne n'est pas seulement jolie, elle est magique. Magique? Waouh, je n'avais encore jamais vu la couronne de la floraison d'aussi près. Elle est magnifique. Je suis ravie qu'elle te plaise parce que j'ai dit à papa que cette année j'aimerais que ce soit toi, la princesse d'abondance. Moi? En vérité, c'est papa qui en a eu l'idée. Oui, mais j'ai immédiatement dit oui parce que j'estime que c'est à Sophia de la porter cette année. C'est précisément ce que papa a dit. Oh, je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, j'en serais ravie, mais... Tu vas y arriver car ta sœur chérie sera là pour te guider. James, la couronne. C'est merveilleux, c'est comme un rêve. Je vais chercher mon sifflet, attends-moi sur l'estrade. Quoi? Être la princesse d'abondance est une lourde responsabilité. Il faut que quelqu'un te guide. Et comme tu le sais, Ambre adore expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Félicitations Sophia, tu t'en sortiras très bien. Merci, tu as entendu. C'est moi la princesse d'abondance cette année. Wow, super nouvelle Sophia, ouais. Bon, parle-moi un peu du pouvoir magique de la couronne que tu dois porter. C'est la grand-mère de papa qui l'a trouvée il y a bien longtemps dans un royaume lointain, par terre, dans un champ de fraises. On ignore qui l'a fabriquée. Parle-moi de sa magie. Quand mon arrière-grand-mère a planté une graine de la couronne, toutes les plantations ont poussé mieux et plus vite, et les récoltes ont eu un goût délicieux. Depuis, tous les ans, la princesse d'abondance, cette année c'est moi, sème une graine dans les champs au printemps et rappelle à tous qu'il faut remercier la nature pour ce qu'elle nous donne. Ensuite, on fait la fête. Il suffit d'une graine pour faire tout ça? Imaginez le résultat si on utilisait deux graines d'un coup. Je ne sais pas. Une graine suffit, elles sont tellement puissantes. Dans ce cas, tu peux bien donner à ton lapin préféré une de ces graines magiques pour que mon jardin me donne vite des fruits et des légumes beaux et savoureux. Ce serait avec plaisir, mais je n'ai pas le droit de les donner, Clovis. Je suis désolée, je dois aller retrouver Ambre. Oh, quelle aventure passionnante! Sophia! Oui? Bonne chance! Merci, à plus tard! Oui, je sais, j'aurais dû rendre ces graines à Sophia puisqu'elle a dit qu'elle n'a pas le droit de les distribuer. Retrouve Princesse Sophia sur Disney Junior.